On reparle. Allez, moi je veux juste jouer. Ah. Attendez, le son est assez fort. Bonsoir Sasuna. Bonjour, toujours un bonheur d'être ici. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Alors, je sais pas si en soi on aura le temps de faire le, sanctuaire. Le temple. On s'enligne vers ça. Joue mes jeux également. Cette vase. Ah, je suis désolé. Tous les patients ont été traités, mais il ne reste plus un seul fruit d'eau. Les blessés étaient plus nombreux que prévu. Et je vous prie d'accepter mes excuses. Oui. Ne t'excuse pas. Oui. Ne t'excuse pas. Tu n'y es pour rien. Tout le monde est sain et sauf et c'est la seule chose qui importe. À présent, il ne reste plus, il nous reste plus qu'à trouver une solution à cette statue. Statue. Tiens, tu es un voyageur dans la région? Excuse-moi, nous étions en pleine conversation. Je ne t'ai pas remarqué. Le domaine des auras est en pleine crise, figure-toi, à cause de cette vase qui s'est mise à tomber du ciel. Les choses ont commencé à se calmer un peu, mais de nombreux endroits sont encore couverts de vases. Cette statue est très importante pour les habitants du domaine. Hey, attendez, je viens de comprendre de quoi. Il y avait un sanctuaire que j'étais pas capable de trouver sur le plateau de l'éveil. Ça se trouve, genre, tout a rapport avec ça. Il y avait de la vase au sol. Nous étions en train de nous demander comment nous allions faire pour nettoyer cette vase. Bon, Laisse-moi vous montrer comment nettoyer, moi. Bon, tu vas, Neve, une bonne soirée. Bon, oui, ça va très bien. Ah! La vase! C'est toi qui as nettoyé la vase? Pour les habitants du domaine des auras, cette statue symbolise l'espoir. Nous y tenons énormément. Merci infiniment de l'avoir nettoyé. Oui. En fait, c'est une représentation allégorique des deux figures qui ont sauvé le domaine Zora autrefois. Ah! Oui, c'est Son Altesse Sidon, prince des Zora, avec son grand ami, le chevalier ilien Maître Link. C'est moi, ça. Ah! Il est mignon, hein? J'aimerais tellement le croiser pour de vrai. Il fait à peu près ta taille, il y a des yeux comme les tiens, c'est un chevalier... Il y est? Attends, ne me dis pas que... C'est moi. Je dis que c'est ta voix-là. Ne me dis pas que tu es Link, le chevalier légendaire? Oui. Et où sont passées tes bonnes manières? Excuse-moi, Maître Link. Oui. Pardonne-nous notre maladresse. Nous ne attendions vraiment pas à croiser le véritable Link. J'ai entendu parler de tes exploits presque tous les jours depuis que je suis arrivé au domaine. Je suis la fiancée de Sidon, prince des Auras. What the fuck? Mon nom est Yona. C'est un honneur de te rencontrer, Link. Yona. Bienfaitrice? Je croyais que Son Altesse, la princesse Zelda et toi-même aviez subitement disparu. Comment t'es-tu retrouvé ici? Yona. Avec un beau accent circonflexe. Je vois après tout ça. Ok, je m'en fous, là. Oui. Tu trouveras au parc Mifa, au sommet du mont de la foudre. Ah, il est là. Pour trouver Sidon. Bon, mais parfait. Oh. Skippez-moi ça, ce dialogue. Si tu veux, quand tu auras parlé au prince Sidon, passe me voir au centre de soins qui se trouve à l'étage. Je crois que je pourrais t'aider dans ta quête, moi aussi, Link. Ok.
Ils volent notre maison, ils volent notre sidon, jeune merde! Non, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est le truc dans Sword Park? They take a job! C'est des tomates? C'est des tomates. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas tout le magasin débloqué. Il fait des armes, c'est quoi qu'il fait? Faut trouver, il est où le gars qui vend des... Ah, il était là, le sanctuaire, avant. Il n'y a pas de costume dans cette ville-là? Attends une minute, c'est étrange. On va aller voir en haut. Il était là, le sanctuaire. Ça fait aucun sens qu'il soit détruit. Il était pourtant bien caché. C'est tellement dégueulasse. C'est brun, sauf là, pourquoi? What the fuck? Il y a le magasin, je veux juste un magasin. Ah, ça doit être lui. Ah, mais ça doit être comme une auberge. Nos patients soient rétablis. Oh. C'est rendu le flip Saint-Laurent, exact. Tiens. Tiens. Quand je t'ai dit que je pourrais t'aider, je voulais parler de te rendre un objet qui t'appartient, l'armure Zora. Nous la conservons au domaine et j'ai essayé de le réparer des dégâts qu'elle a subis lors de ta précédente... Quoi? J'aurais besoin des écailles d'arrow... Oh, j'en ai plein! On utilise leurs écailles dans la confection d'armure, donc Nelto, forgeron, en sait peut-être plus à leur sujet. Hey, pour une fois que c'est complètement différent. Pour une fois, je suis pas obligé de sortir le cash. Mmh. On en a plein de ces poissons-là. Hey. Bravo. Bravo. Oui, oui. Oui, oui. Et le reste de l'armure? On va monter par là. Ok, parfait. Je pense qu'il me manque une partie de mon armure, les gars. C'est quoi cette blague-là? Bravo. Ça fait exactement ce que je voulais. Ça traîne. Il est tellement décollissé le domaine. La musique est étrange. C'est malaisant. C'est une quête, là? Oh, oui, ça, je le voulais. On va se mettre un cœur. On va améliorer Babil. Okay. Et là, est-ce qu'on passe à l'autre ligne? Je sais pas combien, j'ai pas calculé le nombre de cœurs. Là. Non? On est toujours sur la même ligne?
Impressionnant. Babil. Babil. Maintenant que le lien qui vous unit s'est renforcé, ce témoignage du serment prêté par Babil, le sage du vent, vous permet d'invoquer un avatar plus puissant. C'est vrai. Vas-tu être si puissant que ça? Forgeron en bas, il doit avoir le reste de l'armure. Attendez une minute. Vous attendez de me dire que juste avec ça, je peux nager? Vitesse de nage? Je peux remonter les cascades juste avec ça. Faut pas le set au complet. Oui. C'est un peu étrange. Mais là, l'armure, elle coûte rien. J'en reviens pas. Des trucs dans ce magasin-là. Ok. Ok, bon, mais je vais retourner. Je vais essayer de booster l'armure. Ça va sûrement être très utile pour le reste. 30% de plus. Fait que si ça se trouve, genre, tous les autres morceaux d'armure sont, comme dans Breath of the Wild, sont cachés dans des coffres. Ça, c'est weird. C'est vraiment weird. J'étais persuadé que j'allais, genre, claquer du cash. Genre, pour faire cette section-là du jeu. Comme les deux autres avant. C'est vraiment étonnant, hein? Ça marche pas du tout pareil. On va booster ça. Puis je pense que j'ai assez de cash. Ça se trouve, j'ai pas du tout les matériaux. Ah, c'est vrai, vous m'avez dit de prendre en photo le truc. Je viens de me rappeler, puis je l'ai pas pris. Facile, c'est une corne. C'est une corne, ça vaut presque rien. Là. Parfait. Moins 2 étoiles. Je sais pas s'ils vont me demander des poissons. Ah, ça me demande un poisson. Ok, bon, ben, let's go. Une perche max. Non, je sais où aller. Je sais où aller. Je sais exactement où ce qu'il y en a. Maudit bon jeu. C'était-tu là? Non, c'était pas là. C'était celle-là. T'as-tu des perches? Je me rappelle plus si c'est des perches. Froid insupportable. Non! C'est le meilleur spot du jeu, je pense. Cet endroit-là. Il en faut juste 3, là. Hop, merci beaucoup.
crois que c'est pas aléatoire. Ah non, je pense que j'en vois deux, là. Asti de jeu de vidange! Y'a aucune raison qu'il passe en avant, le gars! Stop. Non. Dis-moi pas, il m'en fallait trois, puis l'autre, il l'a brûlé. Asti, c'est laid. C'est fucking là. Ok, non, y'en a une autre. Oh, sac. Oh my god. Y'en a pas mal, ouais. Mais en fait, c'est pas des saumons. C'est des. Je sais même pas si c'est un vrai poisson, cette affaire-là. Ça doit être un poisson asiatique. J'ai jamais entendu parler de ça. Là, j'en ai-tu trois? Ça me fait peur. J'en ai trois, ok. Le bon côté des choses, c'est que ça fait découvrir une nouvelle recette. Très bonne nouvelle. Une recette que je vais jamais reproduire. Parce que t'en fais juste cuire une, puis ça donne une brochette, puis c'est genre oupi. C'est le genre de recette qu'il faut jamais reproduire, parce que genre c'est pas bénéfique. On va en profiter pour s'équiper. Là. Aïe. C'est con, ça, pour vrai. Là. Tu veux juste looter. Oh! Étoile de la joie, merci beaucoup pour les 100 bits, très apprécié. Une mention spéciale pour trouver des barbecues improvisés non désirés. Ça fait tellement chier, tu veux juste looter, genre. Ça aurait été bien que ce soit dans une roulette ou je sais pas quoi. Écoute, trois étoiles, ça va être fou. C'est quoi le prochain? Oh mon dieu! Les petites lèvres dans madame, là. Ok. Ah, il manque une grande fée. Bon, mais c'est cool. Ça, je pourrais le booster tant qu'à être là. Des fleurs silencieuses. Oh, ça coûte cher. Même la face qu'il fait, genre. Il y en a, il est au bout de sa vie de s'être fait embrasser par une grande fille, genre, what? Tant qu'à être là, on va en profiter. Ça demande c'est quoi la prochaine étape. Là, ça demande pas trop, genre. Hey, tout le texte qui sert à rien, man. Un luciole de la sérénité. Ok, intéressant. Ça, c'est quoi? Visseur, ok. Parti dans un trip, les gars. On est là, donc enfin, on va en profiter. Ça, pour vrai, là, skipper l'animation, là, ce serait incroyable. Des lucioles, j'en ai pas beaucoup. Ça, c'est un œil d'octo. Ah ouais, un œil d'octo? Mmm.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faudrait donner un petit cours 101 sur la le consentement et les rapprochements non désirés aux fées. Un look sugar mommy. Mais là, on est touché par la grâce des fées. Moi, je me rappelle les fées dans la version N64. Là. Il était à moitié dénudé. Je peux vous en rappeler? Bon, ok, bon, on tourne là, là. On devrait être popé pour la zone, vu qu'on l'a upgradé. Je suis vraiment étonné qu'il donne pas le suit au complet. Choqué. C'est juste Son de Phoenix, ça va bien? C'est le numéro 1. Ma pro de jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ma pro de jeunesse. C'est super, toi, c'est mon numéro 1. Oh, ça ressemble à quoi, là? Les quêtes. Sidon. Ouais, c'est ça. Faut aller là. Sidon qui est justement là, mais je pense qu'ils veulent qu'on monte par là. Peut-être tu peux monter par là, ça a l'air plus compliqué peut-être. Faut pas aller dans piste. Pas de là. Ma porn de jeunesse. Ah, ok, ma porn. Ah oui, la prom. C'est vrai, le monde dit prom pour pas genre se faire censurer, je pense. J'avais oublié ce détail-là. J'avais oublié qu'on était rendu dans un monde puritain. J'allais pas dire le mot pornographie ou porno. La porn. On est rendu là, man. On est rendu là, genre, avec un langage. Dans le fond, ça change pas l'histoire ou whatever, mais. Tant mieux que si les hommes sensibles, genre, sont pas choqués. As-tu beaucoup avancé? Ben, je sais pas. J'ai fait 2 temples. Là, on commence peut-être un 3e temple. Peut-être pas pour ce soir, mais... Peut-être ce soir. Ah ben, ah ouais. Hein, qu'est-ce qu'il fait là? Je reconnais cette affaire-là, faut plonger en bas. On va l'essayer. Je reconnais. Est-ce que tu joues au jeu, toi? Je sais même pas c'est qui joue à ce jeu-là. J'ai même pas eu le temps de me promener sur tout. Wow, comment c'est haut? Pas de switch. Ah, ok. C'est bon? C'est excellent. Parfait. Parfait, ça. Shit. On est trop loin. Là, c'est ça, on se dirige vers le 3e temple, les auras. Aïe, 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 aïe. Il y a de la vase.
On va se le dire. Moi, je vais vous dire de quoi. Je trouve que les fées, les grandes fées, je les aime bien. Je sais pas, je trouve qu'ils dégagent quelque chose de complètement fou. Là. Je sais pas. Ils me plaisent. Un peu funky, mais... Très bien. Rien à signaler, qui dit. C'est étrange, je sais pas si on peut monter. Dans ce jeu, elles ont un look mommy, je trouve. Moi, un peu genre, je sais pas. Ils sont entre... Alors, je m'excuse déjà d'avance. Hein. Ils ont un style un peu entre ma tante bijou, le cheap. Là. Il y a un peu drag, un peu. Je les déteste, les filles. Genre, j'aime mieux... Celle de Wind Waker. Je m'en rappelle plus celle de Wind Waker. Un peu vieille sacoche, mais je sais pas. Techniquement, c'est le truc que ça a la tête. Je sais pas si ça devrait être pas fait. Il est meilleur mon arc. Oh, je le voyais là. Fini? Évidemment. Évidemment, il allait pas mourir, lui. C'était sûr, c'était sûr. Come on, come on. On est à côté, genre. C'est, on dirait que c'est arrangé avec le gars des vues, genre, what? C'est weird, ça. Ah, boomerang sans aller. What? J'ai jamais vu ça. Ok. Ok, ok. Ça serait quasiment un jour de repas. Non, ça serait fou. Ça serait fou faire ça. Juste à côté de Sidon. Ok, 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 ok. Parfait. Oh! Les vieux pics!
Attends une minute, là. Faut que j'enlève le point jaune, ça gosse. Si je vais au point bleu, puis après ça, je descends direct au point rouge, ça peut le faire. Oh my god! Man, les alliés là, qui passent devant, là, c'est l'enfer. Ah, fuck off. Trop loin. Là. Ça m'éloigne de mon objectif. Ça va trop loin. Ça fait chier de se battre dans les montagnes, je trouve. Les ennemis sont tout le temps en train de dropper. Il fait aucun dommage! C'est donc bien triste. Oh, il y a une lune de sang, fuck off! On a pas le temps. Regardez-moi ça, genre. Dragon, lune de sang. Zone importante. Damn. Non, c'est bien sale à vous, hein? Oh, lune, couleur du sang. Lorsque de ta lumière, tu éclaires la terre. Les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charnelle pour repartir à la conquête de cette terre. On devrait plus farmer, je pense. Quand je vois ça... Ben non! Mais là, c'est facile, check bien ça, je nettoie... Non! Attends. Easy. Ça va tourner autour de ça, là. Ouais, peut-être qu'on a le temps de faire le sanctuaire ce soir. Si je me grouille un peu, là. Le sanctuaire. Pourquoi je dis sanctuaire? Le temple. Let's go, mais ouais. Entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Pourquoi ça, déjà, tu peux monter ça de même, hein? Que je trouve. Hey, est-ce que c'est laid? Ok, parfait. C'est pas ça, je voulais faire. Okay.
Okay, c'est la première fois que je l'utilise, cette affaire-là. Ok. Ça fait beaucoup penser au... Ça s'appelle... Ben, il n'y a pas de nom, là, mais genre les trucs là, qu'on voyait dans le ciel. On explorait les îles. Ouf, ça passe tout ça. Ça passe. Ça passe, mais il est où mon coffre? Donc c'est donc ben weird à soir, je viens de faire ce shrine pour vrai. À soir, je suis à la vitesse. Je suis à la vitesse de mon public. C'est quoi ça? Ça l'envoie là-bas. C'est là, ça. Pas ça, rien, ou qu'est-ce que c'est si on peut grimper de main. Ah oui. Parfait ça. Bon mais dans le fond je veux juste m'envoyer moi de l'autre bord, c'est tout. Ah c'est facile, ok. 5 flèches. Wouhou! Juste lever un petit peu. On sait jamais. Au cas où. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas peu. Pour vrai, c'est une très bonne idée. On avait comme. Je les ai eus depuis un bout, ces genres de plateformes-là, puis je les ai jamais vraiment utilisées. Puis là, maintenant qu'il y a le sanctuaire qui montre un peu comment... C'est un peu comme le tuto, vraiment. C'est vraiment intéressant. Très intéressant. Skip ça. Da-da-da-da. Il n'y a rien à faire. Moi, je trouve la musique est nulle à chier dans ces sanctuaires-là. Je pense que je préférais l'ambiance de Breath of the Wild pour les sanctuaires. Je sais que je pense que j'en parle maintenant rendu à chaque stream, mais c'est quelque chose. Je sais pas, la musique qui joue à l'envers, ça me rend fou. Peut-être que si j'écouterais la musique dans le bon sens, puis que mettons on me dit ah oui, ça c'est une référence à tel Zelda, peut-être que ça me rendrait ça un peu sympathique. Ça fait divin? Ouais, tu trouves? Je sais pas. Malade. Genre, toi, tu tripes sur le style, là. Genre, tu te peux plus, là, mettons, tu capotes. Yo, what the fuck, on l'a fait, ça, tout à l'heure, dans un autre sanctuaire. J'aime beaucoup le style vert. Ouais, ben le style vert, il est pas mal. Après, le côté avec du sable...
des sacs de sable, ça fait un peu jardin japonais. Comment t'avouer, je suis pas... Je capote pas, mais... Fuck is that? Oh non 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 non! Ah! C'est le village 2-0! What? The fuck is that? Y'a des rails pis tout! Fuck, ça a l'air nice! Prochain stream, je m'en vais là, ça a l'air fucking nice. Les montagnes russes, ça a l'air tellement cool. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait de village E0, mais j'ai hâte de voir ça. Ça, je pouvais pas passer à côté, il y avait un sanctuaire, là. T'es obligé de le faire, même zone. Ah, shit! Here we go again! Cette épreuve, là. Au volant. Comprendre le délai. Mettre des véhicules et tout. Hein. Le gâche, ça va bien. Non, mais les gars, j'ai pas le temps de rien faire. Que c'est triste, c'est quoi cette idée là? Je veux triper, oui! Mais what the fuck, tout le monde te voit? Oh le laser! Je pense que c'est le laser qui m'a fait mal. Viens-t'en dans mon laser. Ah, ça fait chier, j'ai envie de le recommencer. Fuck! Fuck ma vie! C'est cool! Bon. Bon, là, on va pouvoir s'amuser. Là. Si je mets ça devant, là, je vais être protégé. Je vois qu'il y a un truc pour voler en haut. Je peux plus. Les boutons R de la manette sont morts.
numéro 1. Seulement pas. Ah, rien qui est droit, ça me fait capoter. Comme ça. Je sais pas si on garde ces affaires-là qu'on loue. C'est quoi ça? C'est moi un lance-flamme? Je vais le mettre pour en arrière. Alors, je devrais le mettre en avant. Je pense que non. Je viens de faire la pancarte la plus dure de ma vie. Holy shit. À ce point-là. Mais non! Il y a un truc dans le milieu? C'est quoi le truc dans le milieu? Il y en a alors plein d'armes dans le milieu. Tu sens rien là? Tourne pas beaucoup cette affaire là. Come on, tourne! Calique. Pays véhicule. Come on, tourne! M'a le pogné! Quel endroit? Je sais, je serais curieux de savoir c'est où. Tantan. Fait qu'on a manqué quoi dans le milieu? De flotter dans l'eau, damn. Oh, ça a l'air nice, ça. Non! Ouh! Ah, puis là, t'es pépère. Tu fais ton affaire et tout. Là, tu peux même mettre je sais pas quoi. Ah oui, ok, une tête. Maudit! Ça donne des idées. Des idées de construction. Dommage que t'as pas pris l'avion, ça aurait été drôle, hein? Celle-là. C'est celle-là qu'on va jeter parce que c'est une grande baguette puis je déteste ça. Ok. Baguette de feu. Parfait, ça. J'ai mis 3 baguettes. Feu, électricité, glace. Très content. Fuck, j'ai celle-là aussi. Hmm.
Ouais, je suis fou, j'ai jeté des grandes baguettes. Je vais me coucher, moi. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Mireille. Faites beau rêve. C'est beaucoup d'être passé. Il faudra embrayer, là, si on veut faire un temple. J'ai tellement mal dans le dos. Parfait, ça. Le temple de l'eau prend 10 minutes, pour vrai? C'est un meme? Ben, je sais pas si tu niaises-tu. J'ai été déçu. Ah, ouais. Fait que là, j'aurais vraiment le temps de le terminer d'ici 1h du matin. Non, je fais celui. Non, j'ai fait celui du feu hier. C'est 100 fois mieux. Ben, celui du feu, pour moi, il était vraiment nice. Là. Visuellement. Où tu te rends, par contre. Ouais, mais c'est ça. Mais mettons d'où ce que je suis, là. Genre là, mettons, on va parler à Sidon, là. Là, il est 23h45. Vous en pensez quoi? Oh. Je ne rêve pas, c'est vraiment toi. Oh. Wow! Il y a un sifflet. Tu m'as tellement manqué, Link! Wow! T'as fait eau et vent, puis t'as préféré celui du vent. Ok. Ça fait un bout de temps, Link, que quand j'ai entendu que tu avais disparu, je me suis fait du sang donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Blablabla. Oh. Ça, le château, oui. Oh. Hello, bestie. Regarde, la source qui jaillit ici alimente en eau tout le domaine des arômes. J'utilise mon pouvoir pour la purifier de la vase dont elle est souillée, le pouvoir de contrôler l'eau. Si j'abandonne ma tâche, l'eau souillée contaminera le domaine et tout le monde en souffrira. Voilà pourquoi je ne peux pas me permettre de bouger d'ici. Non. Pour ta part, Link, penses-tu que la disparition de Son Altesse, la princesse Zelda, puisse avoir un lien avec les îles volantes et les ruines? Si c'est le cas, tu devrais sans doute aller voir l'érudit dont je viens de te parler. C'est un vieux Zora du nom de Jitato. Peut-être qu'il aura des informations utiles à te donner. Poursuivez actuellement ses recherches du côté du lac Toto, au nord-ouest d'ici. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, Link. Ok, parfait. Bon, là, il faut aller où, là? Où le lac Toto? Ah, il est là? D'après moi, tu le fais pas ce soir? Ah, ouais. Le chemin, il est long, là. C'est Mipha! C'est la statue de Mipha! Mipha... Fait que là, il veut quoi, là? Il veut qu'on aille, aller voir le lac Toto. Ok, on va aller au lac Toto. Juste ici. On arrive de là. Non, c'est long le temps. C'est le genre de truc que tu commences demain au début de stream. Le chemin est long, le temps est rapide, mais le chemin est freaking nice.
Là, je suis en train d'entreprendre le chemin. Là, je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je suis d'accord avec toi. Mais là, mettons, qu'est-ce que vous me conseillez de faire, là? Le chemin était plus nice que le donjon. Ok, mais... est-ce que je suis en train de commencer le chemin, présentement? Non. Réponse honnête, oui. Ce chat-là, man. Ce chat-là, man. Falaise. Okay. Pour comparer avec Yunobo, c'est comme si tu t'en allais briser son masque. Ok, genre, comme je m'en vais monter la montagne. Je m'en vais monter la montagne avant de faire le chemin en bas. Là. Debout sur le sol du poisson céleste, une goutte de la passerelle d'eau. Elle complète ce qui rend le texte incompréhensible. Si seulement je pouvais réussir à le déchiffrer entièrement. Mais je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment. La gravure cassée. Genre, la gravure cassée, mettons, c'est genre important, là. Right? Vous expliquez avoir découvert une gravure Zora antique. Il semble qu'il soit fait mention du ciel, mais la pierre est brisée, ce qui rend l'inscription incompréhensible. Tâchez de trouver un moyen de la déchiffrer. Les informations qu'elle contient pourraient bien vous aider à retrouver Zelda. C'est quoi qu'il dit, le vieux? Attends, mais là, c'était quoi? Fuck! Parce que le fragment qui s'est détaché de... ça devrait pas être bien loin encore, faudrait... ok, mais ça peut être long, genre, faire cette connerie-là. Ok, mais... on est déjà voué, là. Je vais commencer cette partie-là, puis on verra. Oh là 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 là. Sur ce, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, Fenray. Merci beaucoup d'être passé. Ça alors, la gravure! Que tes nageoires soient louées. Incroyable. Debout sur le sol du poisson céleste, debout sur... regarde autour de toi et tu verras une goutte parmi les rochers flottants. Tu verras une goutte. Dans cette goutte, décoche une flèche marquée du gage royal. Gage royal? C'est quoi un gage royal? L'emplacement de la passerelle, ce sera révélé. Un gage royal? Je pense que j'ai compris. Puisqu'il en est question d'un gage royal, mieux vaudrait sans doute demander conseil à sa majesté le roi Dorefa. Dorefa? Ah, comme Dorémi fa sol. Mi fa, Dorémi fa. Ok, je pense que j'ai compris l'énigme. C'est assez simple. C'est vraiment simple. Regardez ça le chat. Ça, c'est le poisson céleste. OK? Tout à l'heure, quand j'ai regardé le ciel, je fais « What? On dirait une baleine, un poisson? » Ça, c'est le poisson céleste. Easy. Easy.
D'après Jitato, le roi, c'est plus... Ouais, mais c'est quoi? Il est où, le roi? Attends, il devrait pas tarder de quoi? Je pense qu'il ne devrait pas tarder à rentrer de son enquête sur la vase. Là, on parle-tu de... Du prince? Attendez, non, c'est pas... Je sais plus. Non, c'est Sidon. Salle du trône.